Merci de nous refaire confiance au sommaire de cette édition. Pas de veillée de prière pour clôturer l'année 2020 comme cela se faisait à l'ancienne. Cette fois-ci, les cultes se sont plutôt déroulés en journée. Et dans un instant, vous revivrez l'ambiance qui a régné à l'église Terre Sacrée et à l'armée du salut de Wenze. Et puis, quel bilan fait-on de l'année 2020 sur le plan religieux? Pour en parler, nous sommes sur ce plateau, comme vous le constatez, avec le pasteur Kodu Kongolo, responsable de l'église Terre Sacrée. Mais avant cet entretien, passons tout de suite aux détails de l'actualité. C'est une Saint-Sylvestre inédite, pas de réveillon public, pas de fête ni de veillée de prière à cause de la pandémie Covid-19, mais les chrétiens ont pu tenir en journée des cultes dans leurs églises respectives. Et c'est le cas de l'église Terre Sacrée qui a respecté cette tradition annuelle. Suivez. Cet instant de louange et d'adoration est l'expression de gratitude envers Dieu pour ses adeptes de l'église Terre Sacrée. Ce culte d'action de grâce, tenu dans le strict respect des gestes barrières à cause de la pandémie Covid-19, a débuté à 13h précises. Placé sous le thème « Jésus est là », tiré du livre de Matthieu 28, verset 20, a permis au pasteur Kodu Kongolo d'édifier le peuple de Dieu afin de ne pas perdre espoir malgré les échecs connus. Sans Jésus, rien ne se fait et Jésus est présent. Sa parole l'a dit, qu'il sera avec nous. Ce n'est pas une proposition, mais c'est une promesse qui est ferme. En fait, il faut faire comprendre au peuple de Dieu que Jésus est là avant tout ce qu'ils peuvent penser, tous leurs problèmes. La présence de Dieu dans la vie des chrétiens est une certitude et une garantie, a-t-il rajouté. Au sortir de ce culte, ses adeptes se sentent bénis. Je me sens très bien. Ce que je retiens, c'est que, comme le pasteur l'a dit, Dieu est au milieu de nous et malgré la pandémie qui n'arrête de nous poursuivre aujourd'hui, et on ne peut retenir que Dieu existe. Je veux rendre grâce à Dieu. Parce que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 31 décembre, il nous a gardés en vie. Il est là en nous donnant le souffle de vie, en nous donnant une nouvelle grâce. À quelques heures du nouvel an 2021, le pasteur Kodu Kongolo a exhorté le peuple de Dieu à apprendre notamment à constater, déclarer et réaliser la présence de Jésus dans leur vie pour une parfaite réussite des projets en 2021. L'église salutiste de Wenze a également tenu un culte d'action de grâce afin de terminer l'année 2020 en beauté. Notez que celui-ci s'est déroulé en journée en raison du couvre-feu. Élément de réponse dans ce reportage. Louange, adoration, agrémentée ici par la fanfare au poste salutiste de Wenze. Telle est l'ambiance qui a prévalu à ce dernier culte de fin d'année, placé sous le thème « Le premier travail de l'homme » tiré de Genèse 2, versets 19 à 20, par le major Simon Kiwissa qui a rappelé aux chrétiens à ne pas seulement prier, mais travailler en même temps pour mieux canaliser leur vie. J'ai exhorté le peuple de Dieu à se lancer, au lieu de trembler par rapport au passé coupable, au passé qui nous a fait souffrir. Pourquoi ne pas donner un nom à l'année qui vient? Je peux appeler cette année
l'année de victoire. Ce culte a été également l'occasion d'enrôler les nouveaux soldats. Ceux-ci représentent le baptême chez les salutistes. Pour nous, à l'armée du salut, l'enrôlement, c'est notre baptême. C'est un engagement, une personne qui s'engage pour servir Dieu et son pays. Par ailleurs, un concours biblique a été également organisé à ce dernier culte de l'an 2020. Ces étudiantes de la Bible ont reçu comme prix des calendriers et uniformes de l'Église pour les encourager. Et puis, quel bilan fait-on de l'année 2020 sur le plan religieux? Comme annoncé tout au début de ce journal, nous sommes avec le pasteur Kolu Kongolo, responsable de l'Église Terre Sacrée. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Vraiment merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, quelle lecture faites-vous de l'année 2020 sur le plan religieux? Sur le plan religieux, je veux dire que c'était une année qui nous a appris beaucoup de choses. Vous savez, il y a des gens qui ne savaient pas créer la présence de Dieu seul dans leur chambre. Et l'année 2020 nous a aidés à ça. L'année 2020 n'est que le signe des choses qui ont été prédites dans la Bible pour la fin des temps. Voilà. Pasteur, il y a également toujours en rapport avec ce sujet des chrétiens qui se sont exprimés pour donner leurs avis et leurs impressions sur cette année qui vient de s'écouler, mais aussi ils ont donné leur point de vue sur ce changement horaire puisqu'il n'y a pas eu de veillée de prière à la fin de l'année. Alors je vous propose de les écouter et on reviendra tout justement après pour continuer ce sujet. D'accord. Cette année est vraiment un peu difficile. On a eu beaucoup de temps qu'on ne priait pas. On était à la maison vu le Covid-19 et tout. Mais et puis à la fin, Dieu fait toutes choses à son temps. Hein. Donc Dieu a jugé bon que ça soit comme ça. Donc par là, je peux dire que ça c'est bien jusque-là par la grâce de Dieu. Ce changement nous a un peu bouleversés quand même après combien d'années prier. La journée pour un 31 décembre, ça n'a pas été vraiment facile. La veille de prière, c'est pas ça qui fait en fait que Dieu nous exauce, mais c'est l'état d'esprit qu'on arrive à l'église pour recevoir la bénédiction pour la nouvelle année. Ça soit la journée ou le soir, mais c'est ça que Dieu soit là qui l'agresse. Notre prière, c'est tout. C'est ce que je peux dire. Oui, bien sûr, on a toujours des perspectives, mais on laisse tout entre les mains de Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà, pasteur, il n'y a pas eu de veille de prière comme vous l'avez suivi. Comment avez-vous accueilli ce changement horaire dans votre église? Bon, écoutez, changement, tout est un état d'esprit, vous savez. Prier la nuit, prier le jour, c'est en tout temps qu'il faut le faire. Moi, je l'ai pris personnellement très bien. Je crois que nous avons eu le temps de préparer aussi les fidèles et Dieu a agréé la prière en plein jour. Voilà. Et nous l'avons compris, le Covid-19 a beaucoup bouleversé le secteur religieux. Est-ce dire que cela a été préétabli par Dieu? Oui, Dieu a prévu qu'il se passerait des choses et le Covid fait partie des signes que Dieu avait prévu dans sa parole. Luc, si vous regardez Luc 21, au verset 11, vous verrez qu'il a été dit des pandémies, la peste, je veux dire, ça a été cité en termes de peste. Toutes ces choses témoignent que Jésus est sur le point de revenir. Donc c'est pour dire que la fin des temps arrive? Oui, exactement. Les signes de la fin des temps sont déjà là et très bientôt Jésus arrive. Voilà, 2021 est là. Nous sommes déjà au troisième jour. Pasteur, vous êtes homme de Dieu. Comment pourrait être ce nouvel an? Cette nouvelle année est une année, je crois que comme je l'ai dit l'autre fois, que c'est une année d'espoir. Une année où il faut remettre cette confiance en nous et espérer que ça va encore marcher. Nous sommes à la porte du retour de Jésus, mais il y a encore des choses à faire. Entre-temps, il faut se marier, il faut faire des enfants, il faut investir. Les gens ne doivent pas tout arrêter, soi-disant que c'est la fin. Personne n'en connaît l'heure. Voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin de nos échanges. Pasteur, comment devrait se comporter un chrétien face aux nombreuses difficultés? Les difficultés liées au Covid. Peu importe. Ben, l'espérance, mettre sa foi en Dieu. Jésus, comme nous l'avons dit dimanche, Jésus est là. Face à toutes les situations que l'on peut traverser, il ne faut jamais oublier que Jésus est présent, quel que soit. Il est présent
Et si vous avez ça dans votre esprit, vous êtes vainqueur devant toutes les situations les plus difficiles. Vous êtes responsable de Terre Sacrée, cette église basée ici à Brazzaville. Quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année? Nous comptons croître déjà numériquement, c'est l'objectif, gagner plus d'âmes. Et très bientôt, nous serons à Pointe-Noire pour l'implantation d'une église là-bas. Et ici, je pense que dans une autre commune, nous allons aussi implanter une autre église. Alors, pasteur, comment contacter l'église Terre Sacrée? L'église Terre Sacrée se trouve sur l'avenue de la Tchémé, en diagonale de l'école Léa Gaboka. C'est dans le croisement entre la Tchémé et la rue Mbeti, Léa Gaboka. Juste en diagonale, vous trouverez la grande parcelle qu'on appelle le grand garage. D'accord. Nous sommes à l'intérieur. Et vos contacts, s'il vous plaît? Le 06 516 78 52. Merci, pasteur, pour cet échange. Et nous vous souhaitons nos voeux les meilleurs. Nous poursuivons, nous sommes pratiquement à la fin. Et puis, carnet rose, dans ce journal, nous vous annonçons que notre cher consoeur Claude Daberge a donné naissance à un garçonnet le 31 décembre dernier. Et l'enfant s'appelle Claude Max Daniel. La maman et le bébé se portent à merveille. Aussi, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Ngoto Lengedia Davna Samira qui a totalisé ses 4 ans. Pluie de bénédiction à la fillette. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, meilleurs voeux à toutes et à tous.